Bonsoir, mademoiselle. Combien ? 10 francs, monsieur. Combien ? 10 francs. Vous ne portez pas d'armes sur vous. Comment le savez-vous? On va s'asseoir. Vous ne voulez pas me fouiller encore une fois? Et si je vous fouillais, moi? Nous avons pensé que vous préféreriez traiter notre affaire au milieu de cette foule. Bah, pas forcément, mais si vous y tenez. Oh, pardon. Vous pourriez avoir suspecté quelque chose si nous avions choisi un endroit désert. Oui, probablement, mais je peux savoir ce que vous aimeriez faire maintenant. L'avez-vous ici? Oui, je l'ai ici, oui, bien au chaud. Je croyais que ça prenait plus de place. Mais comment le voyez-vous, mademoiselle? Je n'en sais rien, je n'en ai jamais vu. Mais vous avez de l'imagination. Tenez, voici de quoi faire l'échange. Ah oui. Tout est là. Merci infiniment. Non, non, j'ai dit de quoi faire l'échange. Oh, la petite futée, j'ai tout là dans ma poche. Excusez-moi, mais c'est de l'argent, ça. Mais ça aussi? Ah, mais je suis pas ici pour acheter des billets, vous comprenez? J'en apporte. Mais vous aviez pourtant aussi rendez-vous. Oui, c'est exact, mais pourquoi voulez-vous que j'achète de l'argent? Vous vendez quelque chose? Ah, mais pas du tout, je suis ici pour acheter, c'est pourquoi je vais apporter ce paquet. Mais c'est moi qui achète! Eh bien, celui qui doit vendre ne vend rien, c'est bien ça. Du moins, attends, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire, retournons vers la porte et reprenons là où vous m'avez fouillé. Je vous parie que... Où allez-vous? J'en ai pour une moi, minute. Je vous garde ça pour être sûr de vous revoir, hein, et que je ne vous surprenne pas à fouiller n'importe qui. Peux-tu me dire ce qui se passe? Jamais j'avais été fouillé comme ça. Il y a un début à tout.